Bonjour à tous, bonjour la branquignolie. C'est parti, alors je m'enregistrerai la vidéo, j'espère que ça va fonctionner, sinon ça serait un peu dommage de parler dans le vent, mais a priori tout est bon. Donc nouvelle vidéo pour vous parler de eh bien pour vous parler de mes plus belles donc un petit ego trip encore une fois, mais le but du jeu ça va être de vous montrer certaines parties donc que j'ai gagnées alors que je n'aurais pas dû. J'avais cette vidéo en tête depuis. Je suis bien cadré. J'avais cette vidéo en tête depuis peu de temps au fur et à mesure que je gagnais des parties en arnaquant, des parties pas forcément méritées. Même si bon, qu'est-ce que le mérite aux échecs dans un sport qui est quand même très. Où en fait on peut toujours perdre une partie en fait. Donc j'avais cette idée en tête et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc quelle utilité également, ben, non seulement outre le fait de vous divertir éventuellement, j'espère aussi apporter quelque chose à des joueurs qui auraient mon niveau ou un niveau un peu en dessous. Je pense pas apporter beaucoup aux meilleurs branquignols qui sont à plus de 2000. Mais bon, c'est toujours utile, ça peut vous permettre de savoir comment arnaquer un adversaire, comment gagner une partie qui semble perdue où vous êtes largement en dessous. Et, pardon, je pense également, ça peut aussi vous permettre à l'inverse, pardon, d'éviter de perdre une partie qui est gagnante et d'éviter de vous faire arnaquer. Donc, petite introduction, donc c'est un message Dynamoto sur le forum qui m'a marqué par rapport à sa vidéo. Donc un pavé du 23 janvier 2023 si vous cherchez. Il disait en substance également ceci. Donc là-dessus, il dit qu'il préfère les échecs au fait de jouer aux échecs et que grosso modo, pour lui, la manière c'est important. Il faut gagner plus que. Gagner, ok, mais il faut gagner avec la manière. Et donc du coup, lorsqu'il n'a pas vraiment l'avantage, bon bah du coup, il a tendance un peu à lâcher. À l'inverse de Red Tatou qui est un adversaire que je n'ai jamais affronté, alors que pourtant on joue depuis le début vraiment des ligues Branquignol, il y a 2 ans de cela, on est présent depuis le début, on a un niveau très proche, on ne s'est jamais affronté. Donc, enfin, à ma connaissance, on ne sait pas ce qu'il en est au Talmasqué. Mais donc lui, apparemment, il serait un peu comme moi, être très compétiteur, être capable d'arnaquer. Donc pour lui, une poubelle en milieu de jeu, c'est un défi supplémentaire, et pour Inamoto, c'est une partie ratée, donc lui, il aurait tendance à lâcher l'affaire. Moi, je suis plus Team Red Tattoo sur ce point de vue-là. Je suis compétiteur, hein, je vais pas le cacher, j'aime bien gagner. Et bon, ben, je trouve ça presque amusant. J'ai un petit peu honte parfois. Enfin, j'ai honte de ne pas avoir honte. Mais je trouve ça amusant de gagner des parties qui étaient perdues. Et ça devient presque une petite blague comme ma blague sur les rocs, en fait. Ben, je trouve ça marrant de dire ah bah ben finalement j'ai quand même réussi à gagner alors que j'étais en dessous. Alors ça n'ira pas forcément dans le sens des conseils que m'a prodigué Raspou. Le but, je reconnais, c'est pas d'être fier d'arnaquer. Le but serait de gagner en étant plus solide parce qu'à partir d'un certain niveau, les arnaques ça marche plus. Mais lorsqu'on est moins fort, c'est peut-être pour cela que ben, j'ai un bon bilan contre les joueurs moins forts que moi. Malheureusement, mauvais contre les joueurs plus forts, mais bon, il n'y a pas de secret. C'est que même en étant un peu moins, j'arrive à arnaquer des joueurs qu'il est capable d'arnaquer. Alors je vais vous montrer mes 16 plus belles arnaques, mais avant ça, petite partie. Donc c'est une partie que j'ai jouée contre Ichneumon, ou Ichneumon, je ne sais plus. On pourrait croire, hein, vous avez vu, c'est la partie la plus propre que j'ai en centipion, donc j'en suis un peu fier, une Petrov. On pourrait croire que j'ai rondement mené, mais finalement, on a beau être à moins 5,4, j'ai joué à coup, j'échange, et là, petit coup intermédiaire, on pourrait croire qu'il aurait repris ici. Et il faut se reprendre, et là j'ai joué 12-26, j'ai joué en. J'ai mis 4 minutes pour jouer, donc j'ai bien réfléchi, mais j'ai dû mettre bien 15-20 secondes à me rendre compte que. Il y a ma tornade. Là, imaginons, je vais mettre la bécane, et je joue n'importe quel coup, je sais pas, je défends le pion là par exemple. Eh bien, merci, au revoir. Pourquoi cet exemple? Juste pour vous montrer que aux échecs, j'aime bien faire le parallèle échec-tennis, parce que c'est deux sports qui rendent fou, c'est deux sports. Où on est généralement hein, en duel en 1 contre 1, bon, mis à part les doubles, les compétitions par équipe, aux échecs, on peut jouer en simultané, on peut aussi jouer à 2 contre 2 en réfléchissant, ça, il y a plusieurs possibilités, mais c'est surtout du duel du 1 contre 1. Au tennis, il y a toujours un chemin vers la victoire, on peut être mené 0-6, 0-6, 0-5, 0-40, c'est rare, mais c'est déjà arrivé. Aux échecs, j'aurais tendance à dire que si l'adversaire est plus fort, qu'il a l'avantage, ça dépend plus de vous.
Ça dépend plus de toi, ça dépend de l'adversaire qui fasse des erreurs. Erreurs qu'on peut chercher à provoquer. Par contre, il y a toujours un chemin vers la défaite, comme on va le voir sur la partie suivante. Là, effectivement, le chemin vers la défaite, c'était de ne pas voir qu'il y avait le mat en 1. Donc, Ishinemon, qui à l'époque était un peu plus sage, on va dire, mais il avait déjà un petit peu en lui ce côté très offensif, très capable de mettre le bazar dans une partie qui le caractérise aujourd'hui, qui en fait un joueur redoutable. Mais donc, petite partie, je vous la montre rapidement. Donc, une petite petite arnaque. Donc, on est sur une Alekhine, j'avance. Au début, ça se passe plutôt bien. Mettre la bécane, malheureusement, j'ai pas forcément le niveau d'analyse. Puis, on va aller assez vite. Au début, ça se passe pas trop mal, quoi qu'il y avait des coups, il y a des coups qui sont discutables. Après, on est sur une rapide quand même, je n'ai pas très bien joué. Là, effectivement, on s'est un peu arnaqué ici. Échanger d'armes obligées, échec, mon roi se balade. Donc c'est une catastrophe en fait. Je suis à moins une tour. Donc j'ai une qualité et trois pions de moins. Donc c'est une catastrophe. Je vais essayer de jouer, de récupérer au moins le cavalier. Ça avance. J'essaie de m'en sortir, j'essaie d'arnaquer une pièce, j'essaie de récupérer une pièce. Là, je suis toujours au même point, donc c'est toujours compliqué. Je cherche à attaquer. Une erreur en face, je pense, il rend la qualité, pas forcément une erreur, mais simplifie, ça se passe bien. Et là où il va y avoir l'arnaque, c'est que je vais chercher déjà un petit peu à monter ma tour. Là, j'ai trois pièces attaquent. Le roi, il est bien placé, il cherche à participer à l'attaque. Alors que là, ben, il force l'échange, je n'ai plus que deux pièces. J'essaie de venir un petit peu menacer avec le cavalier. Et là, grosse erreur. Ce pion, ça m'est arrivé contre Owen une fois, le pion qui défend le fou. On avance le pion pour attaquer le cavalier, mais du coup le fou n'est plus défendu. Et là, c'est le drame, c'est moi qui ai une pièce en plus parce qu'il avait échangé. Il a juste trois pions de plus que moi, mais c'est très compromis. Il reste peu de pièces, il m'a gagné. Et là, une erreur. Donc derrière, il n'y a plus qu'à conclure. Voilà, on échange. Et puis là, cavalier contre deux pièces. Mon roi est mieux placé. Et je vais pouvoir aller terminer. Là, je contrôle la case là, il n'y aura pas de promotion. Ce pion-là, il va y aller tout seul. Et on va gagner la partie relativement facilement, n'ayant pas peur, bien évidemment, pardon, de lâcher le cavalier contre le pion. On a la dame, on gagne. Donc, c'est pas l'arnaque la plus intéressante. C'est juste pour vous montrer également que ben, on peut se faire arnaquer juste en disant qu'un pion défend une pièce. Et c'est un peu le principe de la surcharge. Le pion, il était astreint à la défense de la pièce, il lâche l'affaire, et derrière, ben, on perd la pièce, et tout se renverse, tout est possible en un coup, donc c'est pour ça qu'aux échecs, il faut pas forcément abandonner tout de suite, même si bon, faut pas non plus forcer n'importe comment. Donc, on va partir sur mes... Pardon, ça va mieux, c'est le petit déjeuner qui ressort, pardon, sur une de mes plus belles arnaques. Alors ça, c'est une partie, il n'y a pas forcément... C'est plus à titre de divertissement de voir à quel point une partie peut monter ou descendre. C'était contre deux Vikings dans le cadre d'un blitz branquignol. Donc une partie, vous allez vite voir, j'ai les morts, c'est le gros bordel. Peut-être inversé. Peut-être inversé. Voilà. De mon point de vue. Et donc, je mets les notes en masqué. Voilà. Et on y va. J'essaie de pas être trop long, j'ai des choses à faire ensuite, mais bon, pas être trop long, trop concis. C'est commencé quand c'est Raspou qui le fait, je suis encore moins bon pour ça. Donc là, la variante que j'avais utilisée contre Pablo qui gagne un pion, on continue, on développe. Jusqu'à présent, tout va bien. Et là, on a. Bon, première erreur, on revient pas au bon endroit, mais peu importe. Ça se complique un petit peu. Vous allez voir que la partie va être complètement bordélique de A à Z. Et en fait, il va y avoir des retournements de situation. Ça, c'est la petite. Voilà, c'est du vrai punk chess. Donc, si vous aimez le punk chess, c'est pour vous ici l'évolution de la partie. Donc là, tout est bien. Et là, on chasse. Il va y avoir une première bêtise. Je continue d'attaquer. Pour l'instant, la partie est tout à fait normale, avec un avantage, mais il n'y a rien de paranormal. Un gros avantage ici, son roi est en l'air, tout va bien. Et là, énorme connerie. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai roqué. Donc, pour finir, j'oublie juste une chose là-dessus, c'est que, bon, en fait, là, je suis mat en 2 parce que, ben, j'ai toutes les pièces contre moi, là, en fait. Là, ce qu'il fallait jouer, c'était tout simplement cavalier B6. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce que je veux dire? La tour prend ici. Effectivement, derrière, en fait, j'ai un très beau mat. Il y a très beau mat ici, si je ne me trompe pas. Voilà.
Donc avec les fous qui cisaillent. Donc ça fallait le voir. Là c'est Rocky côté cimetière. Donc c'est. Ça c'est juste un échauffement parce que c'est du coup qu'il faut être capable de voir, il faut voir le sacrifice. Donc là je le rate une autre fois. C'est après que ça va vraiment devenir n'importe quoi. Donc on avance. Toujours gros avantage pour moi, mais malheureusement je joue à 10 secondes à la pendule, en blitz. Et pourquoi ne faut pas abandonner pour chercher à arnaquer, ce que le Viking va presque faire, parce que là j'ai un gros avantage. Ben, quand on joue autant, l'adversaire il peut se planter autant, il peut faire une grosse erreur parce qu'il n'a pas le temps, il faut lui mettre la pression, il faut chercher à continuer. Il y a toujours les risques de gaffe, notamment en blitz, donc toujours continuer et mettre la pression si possible à l'adversaire. Après effectivement, il faut éviter de mettre des pièces en prise, ça c'est ce qu'on va voir, mais éviter de faire n'importe quoi également. Donc vous allez voir la partie, c'est devient n'importe quoi. Pour l'instant, tout va bien pour moi. J'ai 3 pions en plus. Son roi est plus exposé là. Un mauvais coup de cavalier. Il vient et rentre avec la tour, ce qui n'était pas le meilleur choix, mais ce qui me met déjà la pression. Alors que bon, on pouvait prendre en C5. Effectivement, il pouvait prendre également. Donc ce qui est conseillé, c'est A5. Vous allez voir pour moi. Et là, il doit jouer. La tour prend en C5. Effectivement, je laisse une pièce en prise. Donc là, il aurait l'avantage. Il le rate, mais là je vais continuer à m'enfoncer. Il met une pression ici sur le pion là, donc il a raison parce que là j'ai 4 secondes et j'ai une situation très compliquée. Effectivement, je vais me tromper, donc là l'arnaque elle vient. Heureusement, de Viking, 1 minute 14, il va se rater. Là j'ai oublié de jouer ici et il a mat en 2. Il fallait juste venir avec la tour ici et ça il oublie. Et il va revenir mettre un échec à la découverte qui arrange pas forcément la situation. Je refais la même erreur et là. Il gagne la tour, ce qui objectivement est bon, plus 4,5, mais il rate un mat. Ça me laisse donc des chances de survivre. Là, je cherche à échapper mon roi. Je gagne un pion. J'ai toujours une tour nette de moins, mais bon, là, c'est lui qui donne la tour. Résultat, je reprends l'avantage. C'est pas encore fini. Parce que derrière, c'est moi qui vais me planter. Là, je donne la tour en 1, il le voit pas. Il faut quand même éviter de laisser ses pièces en prise, en théorie. Et là, c'est moi qui me plante. Je laisse la tour, il le voit pas. Il va juste gagner le cavalier à la place. Je sauve ma tour. Il me met en filade. Et là, j'ai le bon réflexe. C'est de gagner la tour. Et le gros problème, je l'ai pas trouvé à l'analyse. Je n'en ai pas trop parlé, mais mine de rien. Ben, j'ai grignoté ses pions. Et là, le problème, c'est qu'il ne peut plus gagner. Il n'a plus que le fou, il ne peut plus gagner. Et ce qu'il faut savoir aussi aux échecs, c'est que savoir quand est-ce qu'on peut jouer, savoir pourquoi on joue, quand est-ce qu'on peut gagner, quand est-ce qu'on ne peut pas gagner. Donc là. J'ai plus que les pions, il doit essayer de dégommer mes pions. Et il en fait un. Et là, la bonne tactique, c'est de tout faire, de bouger son fou pour venir empêcher le pion d'avancer. Et il va pas le faire, il va bouger le roi, sauf que le roi n'arrive pas à temps. Et en plus, l'échec et mat direct, j'aurais même pu mettre la tour en fait. Mais bon, j'ai pas fait de fantaisie. C'était déjà bien comme ça. Donc, une belle partie arnaquée, une belle arnaque. N'importe quoi, comme je dis, c'est une partie digne du festival de Punk Chess entre le sens de la dérision et Tchirman lors du dernier Blitz. Blitz où je félicite encore une fois Chris pour sa victoire et Tchirman pour avoir battu Eric Cantonnet et avoir donné la victoire à Chris puisque c'était les deux étaient au coude à coude à égalité avant la partie. Et c'est Tchirman donc, qui a fait la décision, donc qui avait fait une très belle partie. Mais avant, il y avait une partie qui ressemblait un peu à celle-ci avec du bordel dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette partie? Ben, il y a toujours des risques de gaffe en blitz, il faut continuer, il faut insister. Il faut quand même éviter de mettre des pièces en prise parce que c'est ça qu'il faut vérifier en premier, parce que c'est typiquement le truc qui va avec les menaces de mat, bien sûr, qu'on va encore bien voir dans cette vidéo. C'est typiquement le genre de truc qui peut vous faire perdre en fait. C'est ça qui va te faire perdre, le fait de mettre une pièce en prise sans le voir. Sauf si c'est la seule chance objective. Exemple, parler de Red Tattoo. Donc là voilà, moins 5,9, moins 8,9. Eric Cantonnet, elle est noire. Darth Maul, Red Tattoo, elle est blanc. Et là, les noirs font une grosse bêtise. Et défaite immédiate. Mais c'est pas la partie là que je voulais vous montrer en fait. Je crois que c'est la partie encore avant. C'est les défis entre Red Tattoo et Darth Maul. Donc on va dans l'historique des parties. Et donc c'est celle qui était jouée avant. Il me semble qu'il y a une histoire d'arnaque comme ça aussi. Voilà, donc là, Red Tattoo il joue un coup. La dame est en prise. Elle est en l'air, mais la dame là elle est en l'air aussi. Donc je sais pas trop comment il le joue. Il le rate. Eric ne le voit pas. Et voilà comment toute la partie bascule.
Bon, même s'il y avait un avantage. C'est le genre d'arnaque que j'ai tenté contre Eric sans réussir, qu'on peut tenter en blitz. C'est mettre une pièce en prise en espérant que l'autre ne la voit pas. Mais ça, faut vraiment le faire. C'est pas un bon conseil, il faut vraiment le faire comme une seconde en blitz pour mettre la pression à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui va se passer à la prochaine partie. Donc vraiment, être capable d'avoir le réflexe de voir quelle pièce contrôle quelle case, ne pas les oublier, c'est pas facile quand il reste peu de temps, mais c'est le truc qui peut te faire gagner, qui peut vous faire gagner à tous ou perdre des parties en blitz. Donc là, ça c'est une partie que j'ai jouée. J'ai les noirs contre Pipige en blitz à nouveau. Donc c'est à nouveau le scandinave, ça va à nouveau être un gros bordel. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que ben, quand la position est bordélique, on a beau avoir un avantage, ça peut être très compliqué. Donc là, on va avoir une arnaque assez sale en fait. Donc, au début, ça se développe, ça joue bien, on a encore des parties de maître, hein, comme on peut le voir, on est sur des lignes principales, aucun souci, on est au 9e coup, c'est encore joué par de nombreux maîtres. On continue à partir de mon H6, qui est un coup que j'aime bien jouer. On sort un petit peu, mais on est toujours très bien. C'est après que ça va se compliquer. Là, on est à 0,6. C'est après que ça va se compliquer. Sur ce coup, j'ai 4, j'ai 5 qui me fragilisent. Pipi, je vais bien réagir. Il va mettre la pression. Contre-attaque, c'est une blitz. Il faut tenter. Et là, la galère. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut empêcher le pion d'aller à dame pour survivre. Donc encore une fois, quand on est mal barré, il faut essayer de, comme dit la belle, de pêcher en eau trouble. Pour essayer de créer des complications et faire en sorte que l'adversaire finisse par se tromper sous le poids des complications, sous les poids du side note, sous le poids de la pression. C'est la seule chose qui c'est la chose la plus respectable à faire, même si c'est pas forcément le meilleur coup d'après la bécane. Donc là, il y a pas de souci. Donc là, bon, j'échange pour protéger un peu de la pression sur le cavalier. Et j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé de donner la qualité. Je récupère un pion, donc tout n'est pas perdu. Et là, ce pion-là, il est beaucoup trop fort. Donc, bien évidemment, même si c'est pas ce qui était préconisé par la bécane qui préconisait un échec, moi je trouvais que cet échec qui m'apportait pas grand chose. Donc là, je me libère, je protège le cavalier temporairement et je vais pouvoir basculer ma tour, mais pas du roi qui est nu aussi. Donc quand vous jouez pour vous avez pas l'avantage, il faut toujours essayer de regarder vos forces, les atouts que vous avez et tout miser, vraiment beaucoup miser là-dessus. Essayer de faire un peu de tapis et miser quel est le point faible adverse, quel est mon point fort, est-ce que j'ai du dynamisme, regarder son contre-jeu et puis chercher à faire craquer l'adversaire, lui poser des problèmes. Après, s'il trouve les bonnes réponses, bah, il saura conclure, bravo à lui, mais c'est pas en jouant passif ou en jouant plan-plan qu'on a une chance de réussir à gagner lorsqu'on est en galère. Donc là, on commence par un petit échec ici, je vais récupérer la qualité, c'était pas forcément la fin, mais bon, là, le coup de dame, on vient récupérer un pion. Ça laisse ça en plan. Pipi, je lui reste qu'en seconde aussi. Donc là, déjà, rien que le fait d'avoir des pièces qui. Le roi en l'air, des pièces qui attaquent, déjà, ça cause des fragilités, ça peut causer des problèmes. Donc là, c'était pas le mieux qu'il y avait à faire, peut-être. Bon, je récupère la qualité, mais le problème, c'est que derrière, je perds un peu du dynamisme. La grosse erreur, bah, je laisse la tour, je vois pas qu'elle est pas défendue, mais bah, du coup, il a pas le temps de faire quelque chose qu'on pourrait tenter quand on est vraiment en galère. Je continue, je vais pouvoir. Mettre la pression, donc là je menace quand même de venir avec la tour ici, ce qui est pas le plus agréable, puis la dame là, enfin il y a y a quelques menaces, et là-dessus la partie s'arrête, temps blanc écoulé. Donc ben j'en étais fier jusqu'à voir l'analyse en fait, et puis là je me suis dit que non, j'étais vraiment mal, mais notamment en blitz, c'est pas pareil en semi-rapide, encore que, mais en blitz, il faut pas hésiter à mettre la pression à l'adversaire pour le. Faire tomber autant, c'est sale, mais ça fait partie du jeu. J'en ai perdu une il y a 2 jours et c'était tout à fait bien joué de la part de mon adversaire. Voilà, il faut lui mettre la pression, attaquer quand on n'est pas bien, essayer de lui poser des problèmes pour faire en sorte qu'il finisse par se tromper, surtout s'il n'a pas le temps à la réflexion, qu'il y a beaucoup de choses à calculer, comme dans cette position où les menaces viennent de partout. Et ce que je disais aussi, c'est encore une fois, faut pas hésiter à donner la qualité pour se défendre. Il faut être capable d'être combatif et de se défendre aussi, de survivre. Ce qu'on va voir dans les quelques parties qui viennent, enfin bon, ben, chercher à arnaquer, c'est pas seulement attaquer, c'est aussi beaucoup ben, défendre, survivre. Parfois, en espérant que l'adversaire relâche un peu lui sa pression et nous laisse placer du contre-jeu. Donc voilà, je tiens à préciser aussi qu'il y a plein de fois où ils arnaquent, ça ne fonctionne pas, mais j'ai pas un mauvais tour. On va partir sur deux parties avec Outa Cassoulet.
Donc deux fois il y a eu des arnaques contre arnaques, et une partie, celle-ci, c'est moi qui arnaque, donc c'est une de mes plus belles arnaques, et puis la partie suivante, ça va être l'inverse. Donc Outaka allez blanc, vous avez tous vu la vidéo avec Raspou, j'espère. Donc il va jouer sur le système de Londres, là je suis sur une hollandaise, au début ça se passe bien pour moi, donc là tout ça. Il joue ses coups hein, comme d'habitude, il s'adapte pas, hein, comme je viens de le voir à l'instant la vidéo. Il joue ses coups, j'adapte, il cherche à m'empêcher de roquer, un peu à défendre. Je vais petit à petit prendre l'avantage. Je gagne hop fourchette. Belle défense. Donc il va pouvoir échapper à la fourchette. Mais là, j'ai une erreur. Donc je vais placer une autre fourchette, je gagne une pièce. Mais là déjà malgré tout, il y a quand même un peu de pression. Donc ça c'était apparemment pas le meilleur coup. Il fallait mettre le cavalier, bon, c'est pas facile à voir. Mais bon, je garde un bon avantage. Mais mon roi est au milieu. C'est compliqué, on a envie de voir que ben, en blitz, encore une fois, ça peut aller vite. Même si là j'ai deux pièces contre deux fous contre deux pions. Je continue à mettre la pression. Donc là normalement je suis très bien. J'échange, tout va bien. Et la grosse erreur, bête erreur. Outaka est très fort hein, sur les clouages, aussi au niveau des arnaques. Si vous voulez arnaquer, mettez des petits pièges, placez des découvertes, placez des clouages, mettez bon, est-ce que c'est positionnel? Mettez les pièces sur les bonnes colonnes, sur les bonnes diagonales, mettez des vis-à-vis, là le vis-à-vis d'un roi. Clou ce pion qui ne peut pas bouger. Et moi je vais faire la belle bêtise. Je vais venir là, en me disant j'attaque le cavalier. En fait, j'avais pas de clouage pour la dame, pour peut-être me semble récupérer le cavalier ici, puis encore gagner une pièce, et puis au pire des cas. J'échange les dames, je suis content, sauf que il va avoir la conjugaison de fourchette, coup sur échec, je peux pas déplacer ma dame, je dois déplacer mon roi, et clouage qui fait que je ne peux pas reprendre. Et le résultat, on l'a vu, hein, je suis passé de moins 8 à plus 9. Donc là, Outaka qui lui met une arnaque, là, il est en train de m'arnaquer, il a un gros avantage. Il récupère la dame, voilà, donc là je vais essayer d'un peu voilà, de contrer, je récupère un peu le cavalier, mais je suis quand même dame contre deux fous cavalier, mais il y a des pions en plus qui devraient faire la différence. Et puis il va encore mettre la pression, voilà, donc il va se rapprocher, il continue, il a bien raison. Là il pouvait directement jouer la tour en E6 pour attaquer le cavalier sans qu'on puisse se défendre. Il joue un coup sur le fou, c'est bien vu aussi, mais ça me fait gagner un temps. Mais bon, il continue, il est dominant, c'est lui qui a l'initiative. Et là, ce que je cherche à faire, moi, pour essayer d'arnaquer, bah, c'est toujours essayer d'attaquer ses pièces. Voilà, simplement, voilà. Là, attaquer sa dame, essayer de faire jouer ma tour, mettre mon roi en sécurité, certes, mais essayer de contre-attaquer. Voilà, on essaie de mettre des pièces vers l'attaque. Déjà, une erreur autant, bon, après, c'est pas mal, mais je regagne une qualité. On va pouvoir mettre la pression un petit peu, prendre la colonne. Essayer de rattaquer des pièces. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Il y a des pièces en plus. Si j'arrive à gagner des pièces, bon, bah, on va peut-être pouvoir essayer de tenir. Donc là déjà oui, je peux pas aller ici parce que la dame tient, je vais récupérer une pièce, il va falloir faire. Donc là j'attaque la dame, parce que s'il vient la dame, je récupère celle-là, bon c'est compliqué quand même. Et là, donc il me refait échanger, dame, et là qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais essayer d'attaquer son roi, de mettre la pression, voilà, de récupérer une pièce, un pion, je sais pas. Puis voir si avec mes deux pièces contre la dame, il reste plus que 6 secondes, j'arrive à obtenir quelque chose. Et en fait, c'est là que. Là aussi, Outaka va tomber en temps. Donc une partie plus 60. Voilà, c'est pas beau, mais quand on joue en blitz, ben, ça fait partie du jeu. Hein. L'un prend plus de temps que l'autre pour réfléchir. Donc là, c'est une belle partie où Outaka m'avait arnaqué, où j'ai fini quand même par retourner l'arnaque et à l'emporter sur une partie où je suis dominant pendant très longtemps et sur une connerie, parce qu'Outaka a bien placé ses pièces, parce qu'il a mis des bons vis-à-vis, qu'il a été agressif, qu'il a bien joué le contre-jeu, bah, il a réussi à complètement sur un seul coup, il a réussi à tout renverser et à prendre l'avantage. Et derrière, bon, bah, c'est du sale, hein, mais le jeu au temps, ça fait partie du jeu en blitz. Donc, le fait de mettre des menaces, des harcèlements, toujours, si on cherche à gagner autant, c'est chercher à mettre des menaces, des harcèlements. Tiens, il m'attaque ma dame, il m'attaque ma pièce, où c'est que je la mets? Il faut réfléchir, on perd du temps, jusqu'à pousser l'autre à la faute. Donc c'est pas très beau, mais ça fait partie du jeu. Comme il faut rendre justice à Outaka, qui est, encore une fois, un joueur qui est quand même potentiellement dangereux, là, parce qu'il a des bonnes idées, il maîtrise bien les clouages, je trouve. Sur une autre partie qu'on va voir tout à l'heure, il m'en a mis un beau. Et ben, fonctionnement complètement inverse, c'est lui qui va
C'était sur le blitz suivant, c'est lui qui va me rendre la monnaie de sa pièce. Donc, il joue toujours sur Londres, moi je joue, là je joue plus de hollandais, j'avais un peu lâché, j'avais pas eu des super résultats. À partir du moment où j'ai atteint un niveau, j'ai un certain niveau où les adversaires étaient plus forts, ma hollandaise ne fonctionnait plus, donc je suis passé à autre chose. Si la travail fut très. Donc bon, là ça avance, il fait. Je fais une erreur à prendre comme cavalier, bon après ça reste à prouver. Ça ne fonctionne pas pour je ne sais plus quelle raison, je crois qu'il fallait reprendre du pion. Et derrière, bon ben je crois que même s'il y a là, il va pouvoir se développer, il va avoir du jeu, parce qu'il sera plus développé que moi. Mais là déjà il se trompe, et que devait jouer là? Cavalier E. Là je devais jouer cavalier E6, fou E6. D'accord, fou E6. Je suis parti du mauvais côté, mais d'un coup déjà, bon, ça tourne encore. Faire une erreur. Bon là, ça reste encore, faut encore le prouver. Juste un très bon avantage de position. En fait, il a simplement laissé un pion en l'air en faisant le malin, quoi. Et là, il aurait fallu qu'il reprenne parce que bon, il a repris le pion. Voilà, donc c'est une grosse erreur de calcul. J'avais pas compris tout de suite le pourquoi du comment. Donc tout va bien. Et là, tout va bien, je dispose mes pièces, j'essaie d'échanger. Voilà, je continue, là il essaie de se développer, j'attaque les deux. Et là, il va faire un coup sympa, c'est que il profite du fait que sa colonne soit ouverte, il a fait grand roque, ça libère une colonne ici. Donc les thèmes de colonne ouverte pour attaque de roque opposé pour arnaquer, c'est un grand thème dans le domaine des arnaques, c'est que là. Il me laisse m'attendre, tout simplement. Donc là, ma fourchette, elle tombe à l'eau parce que là, il faut que je réagisse. C'est une belle. Non seulement il sauve sa tour, mais en plus, il pose une question. Si moi, je fais simplement là, hop, je gagne ma qualité, eh bien, c'est pas compliqué, c'est échec et mat. Donc, je suis obligé de défendre. Là, je choisis d'avancer le pion. Il continue à menacer, c'est très bien, il est agressif, il harcèle, il tente sa chance. Donc là, bon, je fais une connerie, j'avance le pion. Là, en fait, simplement, il me semble, voilà, fou F4 plus, voilà. Là, le meilleur coup, c'était ça. Pourquoi? Parce que, ben, s'il reprend ici, je peux reprendre ici. Et puis, j'ai la tour qui va venir derrière. Donc, il y a des échanges qui vont se faire. Et ça va bien tourner pour moi. Si je ne me trompe pas, voilà. Derrière, tour prend D1. Prise, prise, prise. Et, bon, ben, j'ai. Une qualité en plus, mais c'est sur la position, c'est écrasant. Donc c'était ce qu'il fallait faire, là, je le vois pas. Donc là, ben, déjà, ce que je n'ai pas vu, c'est qu'en plus, donc, il y avait une petite découverte. En voyant ici, ben, je suis sous le viseur de la dame, et ça, il va très bien le jouer en deux coups. Et c'est pour ça qu'il fallait se débarrasser de d'être capable de jouer ici ensuite. Parce que là, je peux pas prendre là, hein, sinon, c'est une catastrophe, je suis obligé de réagir, de défendre. Défendre ici et ça perd une pièce, donc là on est revenu à égalité. Là il cherche à échanger, ça ne fonctionne pas, mais donc le match a bien commencé. Là je perds encore un petit peu une pièce, j'ai toujours du pot mal. Je cherche à arnaquer sur la dame, ce qui semble en fait, j'avais a priori j'avais mieux. Il aurait fallu prendre en D6 et puis sur dame B3 échec que j'avais de quoi faire. Là, encore une erreur, là j'ai un mat en 4, mais il me reste 9 secondes et je ne vais pas être capable de le voir. Et c'est vraiment dommage en fait, c'est que là, bon ben, tour C2, avec la dame, je contrôle la case là, c'est méchant. Par contre, on revient aux pièces blanches, au harcèlement qu'il a fait, à l'attaque qu'il a fait sur mon petit roque, c'est que son fou il est toujours menaçant ici, il a une tour sur la 7ème, donc il y a des pièces qui sont dangereuses, et là je fais la catastrophe, c'est que je laisse la tour accéder ici, lui il va pas me rater. Échec et mat, magnifique, bravo Taka. Donc ça c'est une contre-arnaque j'avais où j'ai pas réussi à sauver, c'est moi qui avais l'avance et c'est lui qui m'a retourné. Donc Utaka, vous avez vu qu'il a rien lâché, il a continué à jouer son jeu, il a surtout continué à jouer très menaçant, c'était pas forcément les meilleurs coups. Il y a même des gaffes dans ce qu'il fait, hein. Ça c'est une gaffe apparemment, parce qu'il y avait mieux à faire, sauf que bon, ça revenait à l'égalité, mais là, il est menaçant. Roi D2 c'était peut-être une gaffe aussi parce qu'il y avait mieux à faire, mais en fait finalement, bon bah au point où il en est. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Tour prend C3, remarquez. Mais ce qui aurait été pas mal, sauf que ce tour prend C3, ça laisse l'occasion à la tour de venir. Alors que là, bon, ben, il fallait encore trouver le coup. Là,
Ce coup, c'était de venir avec la dame en la tour là. C'est les meilleurs coups. Mais bon, il me reste 10 secondes et je vais vouloir échanger. C'était vraiment un mauvais choix. Bravo à lui. On passe sur un autre thème. Donc, on a pas mal vu sur tout ce qui était d'être menaçant, de voir des convergences. Donc, si je regarde les thèmes comme j'ai préparé, donc c'était les clouages, les menaces et le harcèlement. Menacer, harceler l'adversaire toujours. Continuer, continuer. Et là, eh bien. On a vu aussi sur la thème d'ouverture de colonne tout à l'heure, où Taka avait sa colonne ici. Là, c'est une partie que je joue contre Gordinho. Je vais la mettre dans l'autre sens. Que j'ai joué il y a 2 semaines, je crois, donc contre Gordinho. Donc, c'était 1 h du matin, je crois. J'étais pas forcément au top de ma forme. Donc, système de Londres à nouveau. Je tente quelque chose. Et là, je vais oublier quelque chose. Troisième coup. Bon. Ça donne la dame en 1. Donc là, comme dirait la belle, il faut pêcher en eau trouble, il faut chercher à arnaquer, il faut pas relancer. Mais là, bon, c'est une partie rapide. Au troisième coup, je donne une pièce nette sur moins 6. J'avais zappé. Quand je jouais à E4, eh ben, j'avais plus la possibilité de chasser. Donc là, ben, je me fais punir directement. Je cherche à menacer, à créer des menaces. Il revient. Donc ça, c'est déjà une bonne chose ce coup-là parce que ben, ça me laisse l'initiative. Je vais prendre ici, enfin, sortir le cavalier, mais j'ai un peu de pression. Je reprends un pion, j'ai déjà 2 pions contre le cavalier, même s'il y a plus 3,2 déjà. On a des compensations. Le fou est attaqué. Bon, il revient ici, c'est normal. Je remets de la menace, je cloue le cavalier. Et là, bon, il va falloir se développer. Donc là, je joue ce coup qui est pas bon. Enfin, mon seul but, c'est vraiment de libérer le fou et de pouvoir libérer le fou là et de faire jouer mes pièces. C'est quasiment du jeu entre guillemets romantique où on sacrifie les pièces pour activer. Pardon, on sacrifie les pions pour activer les pièces. Jadis, là je me dis faut tenter quelque chose, de toute façon on n'est pas bien. Donc il prend, je bouge le cavalier, je fais des menaces, menaces de fourchette, menaces de prise du fou. Le fou revient ici, l'un des seuls coups qu'on puisse jouer. Enfin, c'est solide, c'est logique, c'est bien joué. Je remets du clouage pour l'embêter un peu. Je mets un vis-à-vis, encore une fois, les vis-à-vis pour embêter. Je mets de la pression, parce que là j'ai 2 vis-à-vis qui attaquent la dame en transparence. Ça s'est attaqué une fois, ça s'est attaqué une fois et 2 fois. Donc, on met un peu de pression. Là, bon, le meilleur coup à jouer, je suis obligé de revenir avec le cavalier qui servait pas. Je veux garder ces vis-à-vis avec le fou, je veux pas revenir en arrière. Ça met la pression ici, il va falloir que je fasse quelque chose de mon roi, donc je protège avec la tour. J'ai toujours cette petite pression-là, même s'il a sauvé un peu sa dame. Il échange, je cherche à garder mes pièces, et puis là, la dame ne servait plus à rien, donc je commence à mettre un petit peu des menaces vers son roi, donc il y a quelques menacettes, mais ça peut servir, et je défends mes pions. Donc là, sauf que j'avais pas vu. C'est que, voilà, et puis bon, on n'a pas forcément envie de reprendre de là. Et de se prendre un échec ici, seul coup, et puis derrière il y a des choses qui vont arriver, ça fait pas envie. Mais effectivement, je dois dire que j'avais pas vu l'excellent coup de Gardinho là. Et c'est là que je vais avoir de la chance. Il faut aussi de la chance qu'on arnaque. Il faut que l'adversaire donne du sien et il faut aussi de la chance. Je bouge à ma dame, je veux maintenir cette menace. Je vais maintenir cette menace sur le roc adverse parce que c'est ma seule chance. Et là, je pensais qu'il allait prendre la tour et gagner la qualité encore, ce qui est déjà bien. Ça lui fait une tour nette, mais il va prendre le fou, pièce nette en plus, c'est bien vu. Sauf que là, il y a un drame. C'est que ben, son cavalier n'a pas de case. Il n'a aucune case. Là, c'est pris aussi. Toutes les cases sont défendues. Et je joue H4 pour le H5 pour le chasser. Et il me reste à nouveau plus beaucoup de temps. Mais bon, je me dis, de toute façon, mon plan, c'est d'envoyer mon pion ici, d'attaquer le roi en berserk. Vraiment, c'est d'envoyer la sauce, peut-être de libérer le fou, et puis de tenter le tout pour le tout. Il n'y a pas le choix, hein. Je suis à moins 5, vous avez vu. Et là, il va faire une connerie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il laisse. Oui, c'est parce que le cavalier, il est en l'air. Mais, le problème, c'est que là, bah, je suis content, j'ai ma colonne ouverte. Donc ça ouvre sur son roc, donc ça c'est vraiment pas faire, éviter d'ouvrir les colonnes adverses, moi je m'en fous, j'ai plus envie de roquer, j'ai envie d'attaquer, j'ai pas le choix, j'ai pas envie de rentrer en finale, je suis perdant. Et là il me laisse vraiment ouvrir la colonne sans voir le danger qu'il y a, c'est que là je menace ma tendin. Et là, il attaque avec la dame, bon, merci, et là j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que je suis à 5,1, on voit sur le graphique, et hop, en 2 coups... La catastrophe. Moi, j'ai pas un mauvais. J'ai 2 imprécisions. J'ai une gaffe, mais c'est une gaffe d'emblée de partie qui me handicape.
Et voilà comment on gagne une partie qu'on devait perdre après avoir donné une pièce après trois coups. Donc ça prouve qu'il faut rester combatif. Même si on perd une pièce au début, j'ai même envie de dire surtout si on perd une pièce au début, ça fait chier. C'est une poubelle, on a une poubelle, on va devoir défendre une poubelle, on a envie d'abandonner, mais la partie fait que commencer. Et plus il y a de pièces piquées, plus j'ai de chances de vous refaire. Voilà, il faut continuer, puis il faut essayer de jouer dynamique, actif, chercher du contre-jeu, pêcher en eau trouble. Parce que voilà, ce que la belle dit bien, essayer de chercher des choses. Surtout pas jouer par nous, l'idée un petit peu de ce coup-là de pion que je joue, qui est. J'ai mis, je vais tenter de créer du déséquilibre, créer du bordel, et puis d'attaquer toujours, créer des menaces, créer des vis-à-vis, poser des problèmes à l'adversaire pour l'embêter, essayer de mettre mes pièces sur les cases qui sont menaçantes. Là, la dame, elle est sur sa bonne case. Le pion, bah, il va de toute façon, si jamais ça rate, il va venir ici. Si ça avance là pour contrer, ben, je sais pas, j'avance là, et s'il prend. Enfin, j'avance là, j'avance ici, et s'il prend, bon, ben, pardon. S'il prend, je continue à avancer, et puis. Tout pour le tout. Mais là, effectivement, il m'a simplifié la tâche. Donc, je m'en tire bien. Partie suivante, Mélane de Solitude. On va regarder la partie de son point de vue, puisqu'il avait les blancs, j'avais les noirs. Donc, on était en blitz. Donc là, on est sur un thème, sur la combativité, on va vraiment aborder les coups défensifs et les convergences de pièces sur le roi adverse, notamment avec la dame. Donc, cette partie, c'est une Scandinave, c'est bien réfuter mes Scandinaves à force. Donc, c'est le même thème. Peu avant, 2 minutes avant, je perds contre Inamoto. C'est quasiment la même chose à l'ouverture, à part là, il me déroque. Bon, j'ouvre la colonne, je joue un peu mon jeu. Là, il menace ma dame. Pardon, j'ai ma dame et mon fou qui sont un petit peu avancés. Je cherche à développer. Ma tour ici, c'est un coup bizarre, mais la bécane ne le réfute pas. Ça va, c'est bizarre, ma. Il attaque madame. Première petite erreur ici. Je me dis, fais attention au cavalier. Et je pose la pièce et je vois que. Mais c'était pas là qu'il fallait la mettre. Fourchette immédiate. Donc, que faire là? Déjà, rester calme. La dame n'est pas perdue. On donne la qualité. C'est pas grave. On est à nouveau sur échec. Le seul drame ici, c'est que ben, si jamais. La colonne, elle est contrôlée. J'ai. Qu'un seul vrai coup à jouer, il faut être capable de rester calme aussi. Toujours rester combatif. Combatif, chercher les coups défensifs. Donc, deuxième coup défensif, c'est de mettre le cavalier là. J'ai une qualité en moins. Là, j'ai une pièce en moins, mais il n'y avait que ça à faire. Parce que bon, bah, si on recule ici ou qu'on recule là, c'est ma tendance. Voilà. Et là, c'est ma tendance. Tout simplement. Il faut d'abord venir ici. Pourquoi il faut venir ici là? Oui, parce qu'ici. Voilà, si on vient ici, le roi il vient. Non, ça passe aussi, le roi vient ici, et puis bon, bah. Dame D6 plus. Oui, en fait, c'est qu'il faut pas laisser le cavalier venir là et laisser une chance. Donc là, c'était mort, donc bon, on met le cavalier. Et là, déjà, ma réflexion c'est de venir attaquer ici, venir attaquer le roi, venir poser des problèmes. Là, madame, mine de rien, elle est proche du roi. Seule, elle peut pas grand-chose, mais. Chercher à arnaquer des fourchettes, des enfilades, ce genre de choses. Je cherche à harceler l'adversaire aussi, lui poser problème. On est en blitz, donc voilà. Je pose la question, qu'est-ce que tu fais, madame? Elle est là, comment tu gères le truc? Et on va voir que ça va pas trop mal marcher. Donc là, encore une fois, des coups défensifs avant de chercher à attaquer, mine de rien, ce que Raspoul disait. Mais là, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce pion? Donc là, j'avance le pion pour voilà. En plus, ça permet de rapprocher un pion. Contrôler mieux cette case là, ça mange pas de pain. Va falloir que l'autre se bouge pour venir m'embêter. Là, si mes 7 dames ici, je prends la colonne avec la tour. Donc là, il vient, il va chercher à menacer ici avec le pion. Donc ça, il n'y en avait pas question. Donc je commence, il y avait peut-être mieux à faire, mais prendre rue 8, mais je commence à embêter le roi. Donc là, j'ai une première erreur. J'aurais pu prendre le pion, c'est ce qui était conseillé de prendre le pion ici. Je l'ai pas vu. 10 secondes, je continue à harceler. Et je vais déjà prendre ce pion-là. Au moins, la dame, elle peut plus venir ici. Et j'ai ma dame qui est toujours placée. J'ai une tour de moins. Mais bon, bah, j'ai 3 pions de plus. Ça commence à pas être si clair que ça. Donc on lâche pas. On rend le matériel. On défend. Et on continue à attaquer. Donc j'ai défendu dans un premier temps, comme on a vu. Et dès que j'ai pu attaquer, je me suis mis à attaquer. Là, je commence à faire contrôler ses coups. Parce que son coup, dame F4, il était un peu trop. Là, il va bouger le roi. Donc je prends, voilà, je prends, il va chercher à
planquer son roi ici. Mais du coup, je prends la colonne, je m'embête pas. Et là, je sais pas trop quel est le motif de ce coup, c'était pas le mieux. J'imagine que roi G2 était beaucoup plus clair, parce que là, du coup, son roi est toujours un petit peu dans les courants d'air. Je menace ici, et surtout je vais venir menacer là, ce que j'avais pas vu. Je menace également le pion. Bon, il y a la tour qui peut, c'est jamais, qui peut poser problème, mais des pressions. La grosse erreur, je la vois pas tout de suite. D'ailleurs, ce qui est marrant, cette partie ça prouve qu'il faut pas lâcher, mais même quand on fait une erreur, ça va peut-être revenir. Donc ne lâchez rien, ne lâchez rien. Il me reste 5 secondes, j'ai pas le temps, là j'évite, j'ai pas le temps de le voir en fait. J'évite, puis là je réfléchis et me laisse une chance. Échec et mat. Voilà, désolé Milan, mais le roi ici qui était resté au milieu, le fait d'avoir harcelé le roi, le fait d'avoir mis des pressions, le fait d'avoir et d'avoir défendu aussi, on va la voir, c'est très intéressant, c'est que là, donc déjà ici, je peux rien faire pour empêcher le cavalier de partir, donc là, je mange un pion. Moi j'ai cette aile ici, l'aile roi qui va, enfin l'aile dame plutôt, pardon, qui va, où je vais avoir un avantage de pion, ça peut servir, on ne sait jamais. Puis là, on va défendre une fois. On va défendre deux fois pour récupérer ce pion, ce que j'aurais pu faire avant, mais bon. Comme ça, il n'y a plus de problème. Et comme il me laisse l'opportunité de le faire, bon, je passe ma tour. Il va me laisser l'opportunité de continuer à attaquer. Et puis là, je vais mettre des pressions. Et ça va marcher. Et voilà comment on gagne une partie qu'on aurait dû largement perdre. Au Milan, on voit le classement. Je suis remonté un peu depuis, mais Milan a progressé et est devenu plus fort que moi en blitz. Sur cette partie, il a dominé, mais il faut être capable de conclure. Autre partie qui montre un petit peu donc le choix de la nécessité d'être actif et le fait d'arnaquer. Il va y avoir de l'arnaque et de la contre-arnaque de cette partie, donc je vais vous la passer. Partie très sympa, j'ai vraiment bien aimé, c'était il y a 2 semaines. C'était un moment où je me disais je vais faire les 10 plus belles arnaques. Et en fait, je me rends compte que j'en avais beaucoup plus. Donc on va continuer cette partie. Tira Borjo Bava, on est en amical. On se lâche un petit peu. Du coup, G4, on tente des choses, on met des pressions. Donc là, bon, on défend ici. Et là, déjà, première, j'ai mis une grosse pression. Déjà, ça joue, mais j'ai l'avantage ici. J'ai ce que je voulais. La petite fourchette ici. Ça reste compliqué parce qu'il met des pressions également. Mais voilà, on récupère la tour. Tout va bien. Je peux échanger. Il va chercher à récupérer au moins la qualité. Moi, je vais chercher à la défendre. Et là, je vais chercher à ramener ma dame pour essayer d'échanger les dames. On va voir que ça va pas forcément bien se passer parce que bon bah il est pas obligé d'échanger. Je mets bon une belle pression. Hein. On continue, on essaie de d'échanger. On revient, bon, je développe. Et là, c'est vraiment au niveau de l'activité. Chercher à être actif et chercher vraiment à activer la dame. On va la voir, ça va être le lieu sur toute la partie. Il va bien tenter sa chance. Sa dame n'a plus rien à faire de ce côté-là. Hop, en 2 coups, et de l'autre côté de l'échiquier, elle va attaquer. Je fais un échange et là un coup discutable parce que je vois après coup que bon bah qu'est-ce que je fais de ce pion? Enfin il menace. Voilà, il menace ceci, hein. C'est pas agréable. Apparemment il n'y avait pas trop de soucis, il aurait fallu revenir avec la dame, accepter de revenir avec la dame, bon, défendre quoi. Là je joue un coup qui empêche le mat, j'avais pas vu, il reste plus beaucoup de temps à nouveau ici. Et là il va s'infiltrer, je mets le cavalier, ça donne la tour. Je choisis de roquer pour protéger mon roi, quitte à perdre la tour, c'est pas grave. Là, c'est pas forcément le mieux, je récupère. Mais bon, du coup, là, on est à égalité. On est à égalité matérielle. Et je vais encore me planter. Parce que là, ça, c'est pas bon. Parce qu'il va gagner des pions. Il fait venir son fou. Je vais perdre le cavalier. Bon. Il y a des pions en plus. Hein. Il y a 2 pions en plus, donc c'est bien compliqué. Il a ce pion-là qui est passé. Il est protégé, tout, enfin, tout ce qu'il faut. Et c'est moi qui vais activer ma dame. Donc il m'a bien arnaqué avec cette histoire de dame qui est venue d'un bout à l'autre. Et c'est moi qui vais faire l'inverse maintenant. Je vais chercher à être combatif. Voilà, mais des beaux renversements de situation grâce à la dame. Donc déjà, chercher à venir mettre des pressions sur les pions. Ils vont avancer. Ils avancent avec moi. Donc je vais chercher à attaquer ici. Il vient là, je mets la pression toujours sur le pion avec la tour. Et là, je vais chercher à infiltrer ma dame. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Son coup A5 est pas mauvais, mais il est lent. Moi, madame, elle va venir assez vite. Je vais chercher à venir derrière pour bah, créer une enfilade. Ça, c'est le plan, mais bon. Un coup, 2 coups, c'est lent. On lui continue à avancer. Un coup. Après, il n'est pas bête, voilà. Mais il vient ici. Moi, je peux quand même mettre mon échec au lieu de mettre sa dame. Madame vient ici. Je vais essayer de finir en 10 minutes. Je sais pas si j'arriverai. Et là, ça ne devient pas clair parce que son roi, il est sous la menace. C'est moi qui ai l'initiative. Je vais venir, je vise C7 clairement pour essayer de mettre des pressions ici.
Ça, il n'en est pas question, il vient. Donc du coup, je remenace encore des choses. Là, j'aurais pu jouer avant, je le vois après, ce que je vais jouer. C'est-à-dire jouer ma tour ici. Donc là, ma dame est clouée, la tour est clouée à cause de la dame qui est en l'air. Donc je déplace ma dame. Et la menace, ben, c'est l'enfilade qu'il ne va pas voir. Merci, au revoir. On est à une dame contre une tour. Et là, il est... Mais bon, on va juste chercher à manger les pions. Du coup, on attaque. Je vous montre la fin de la partie. Une petite fourchette sur la tour. Il va quand même se battre jusqu'au bout, mais bon là, hop, moi je vais à dame, on échange, il n'y a plus rien à faire. Merci, au revoir. Donc, cette partie de la force de la dame, de l'intérêt de garder sa dame quand on veut arnaquer. C'est vraiment un truc qui peut faire basculer une partie. Lui plus que moi encore, la capacité qu'il a eue en deux coups, vraiment essayer de 1, 2, mettre des menaces avec la dame. C'est pour ça que la dame, c'est la plus forte de l'échiquier, c'est qu'elle est extrêmement mobile également. Donc voilà, et c'est grâce à madame que finalement j'ai re-renversé la situation à mon avantage. On va revenir sur des parties branquignoles. Donc l'intérêt de cette partie-là aussi, c'est vraiment de montrer à quel point on a progressé depuis. C'était les parties d'il y a plus d'un an, les premières parties qu'on a jouées. Donc El Tigre numéro uno, c'est Inamoto, à l'époque où il était beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Il a vraiment bien progressé. Donc cette partie, ça va montrer les... voilà, de l'intérêt des convergences de pièces, de l'importance bah, d'un côté comme de l'autre, des menaces avec les dames, et la nécessité de ben, d'essayer de faire ce qu'on a le mieux qu'on peut avec les pièces qu'on a. Donc la partie va se jouer, jeu central que j'aime bien jouer quand j'étais au Costa Rica. Parce que présent c'est pas bon parce que bon même si je lui casse sa structure je perds la paire de fous. Bon c'était une époque où on connaissait moins les ouvertures, donc on tentait des choses plus exotiques. Ça se passe globalement. Le premier truc que je cherchais à faire des menaces ici, mais apparemment c'est pas fou, il valait mieux menacer le fou. Derrière, bon, sa défense pour la partie avance de manière tout à fait convenable. Et là, le petit roque, encore une fois une erreur, hein. Je le savais pourtant qu'il fallait pas roquer, mais bon, le problème c'est que là mon roque il est un peu à poil. Ina, bon, il voit pas tout de suite la menace qui est de venir même de prendre en... Donc je prends directement G3. Ici, il y a directement des menaces par là parce qu'en fait, ce pion-là, il est cloué. Là, je mets mon roi sous le viseur du fou. Et il va le voir la deuxième fois. Il va venir avec le fou. Là, c'est une situation catastrophique. Je me dis, je suis dans la merde. Je joue la montée de poule 9 en poule 8. J'avais gagné les deux premiers matchs. Et je me dis, merde, c'est la catastrophe. Et donc, il y a des échanges qui se passent. J'ai deux pions de moi. L'échange des deux pions de moi, mon roi il est à poil, son roi il est tranquille. Et là, il va falloir trouver des solutions, donc chercher de faire des menaces. Donc là, dans le chat, Labelle dit vicieuse dame H2. C'est une gaffe, mais Labelle l'avait bien aimé. En fait, dame H2, il dit de toute façon, on a quoi? Moins 0,5, j'avais pas forcément vu, mais bon, un pion en moins. De l'intérêt aussi, Ina a un peu trop échangé, je pense. Tenter des choses, voilà. Alors qu'il avait la pression, donc là, j'ai comme du contre-jeu. Là, il fallait trouver le coup suivant, qui était tour B7, il fallait mettre la pression ici. Tour B7. Fou F5, pardon. Fou F5. Je vais regarder, tiens. Fou F5, et si je prends là, qu'est-ce qui se passe? Bien, je pense qu'il vient ici, il récupère le fou, et il y a une grosse pression, tout est ouvert, oui. C'est une tactique pas facile à voir. Mais là, gardons en tête le point de vue, c'est de mettre une pression ici. Et j'ai déjà mon fou qui tape là. Donc première chose, ça gagne un temps parce qu'il est obligé de retraiter le fou. Donc mais après, il fallait voir la tactique où le pion ne pouvait pas bouger. Là, je mets un coup, je mets la tour en vis-à-vis avec la dame. Ça permet de ne pas être trop flagrant. Il bouge la tour et prend la colonne, ce qui semble être un coup naturel. Mais bon, ça ne fonctionne pas. Et là, j'avance ici. Je pouvais déjà avancer le pion avant, en fait. Là, je dois... Tour B, où je pouvais venir en tour B7 pour clouer, mais bon, ça me semble encore mieux là. Et là, j'ai une menace en 1. Il faut la voir parce que là, je menace quand même ça, enfin voilà, ça avec, pardon, prise avec une découverte qui fonctionnerait pas parce que la tour de toute façon elle est en l'air. Mauvais réflexe, échec et mat. Donc, plus qu'un conseil que je donnerais pour moi, c'est plutôt contre vous. Méfiez-vous quand il y a des pièces qui commencent à se coordonner, notamment des dames, pour venir attaquer. Quand Labelle disait que c'était vicieux de mettre la dame en H2, effectivement, c'est vraiment parce que si vous avez l'expérience, vous allez le voir arriver. Bon, bah, là, il vise ici, mais il faut encore le voir. On était moins expérimenté à l'époque, et c'est comme ça que j'ai réussi en
en 2 coups de cuillère à peau, à renverser une partie que je devais perdre et donc à finir champion de la fameuse poule 9. Alors que sur cette partie, clairement, je ne le mérite pas. Donc, une autre arnaque, une arnaque courte, avec des risques tout basculer d'un coup. Donc là, tente une pirte, plus ou moins monnaie un pirte. Voilà. On avance, on joue. Je mets des menaces sur. Je voilà, joue un peu compliqué. Je reprends plus cavalier. En fait, ce qui va être intéressant sur cette partie, c'est que je vais me planter. Si je ne me trompe pas que ce soit bien celle-là, donc voilà. Là, il a un vis-à-vis. Donc là, j'ai perdu ma. J'ai a priori perdu ma dame ou pas loin, au moins le 4. Je mets le fou. Il recule le fou. Je me. Bon, il y a toujours le vis-à-vis, tout. Donc là, j'ai perdu mon fou. Et là, je choisis en fait de contre-attaquer sur la dame. Et il va faire une grosse erreur. C'est la preuve aussi que la coordination des pièces, d'être menaçant, d'avoir des pièces qui sont actives. Il va prendre la dame. Maintenant, là il aurait fallu soit reprendre d'ici, soit simplement éliminer là, il élimine, je prenais, il prenait, et puis dans l'affaire j'avais gagné, il avait gagné une pièce. Là reprendre la dame pour se dire bon ben je me soustrais à tout, c'est oublier que sa tour elle est plus protégée, et voilà, belle attaque en 18 coups. Donc voilà, des pièces menaçantes, du bordel avec des attaques contre-attaques. Donc voilà, quand on est mal, parfois il faut chercher à. J'envisageais aussi le cavalier ici, mais le cavalier défendait. Il faut chercher à poser des problèmes à l'adversaire. Là, il s'est dit que sa dame était morte parce qu'elle était aussi. Donc voilà, j'ai pas l'avantage, mais il faut encore que l'adversaire trouve le bon coup. En l'occurrence, il a trouvé le coup perdant. Et c'est comme ça que j'ai remporté cette partie. Donc, petit plaisir coupable, voilà. Partie plus sérieuse, donc. Là, une partie contre Ina, que Raspou a déjà montré lors de la vidéo d'Ina. Donc voilà, voilà, c'est une Petrov, ça avance bien. Et au final, la partie est compliquée, je me réserve toujours un coup pour roquer. Je me dis toujours, j'ai un truc de mieux à faire. Et là, grosse pression, il va. Mettre la pression, il va trouver le bon coup. Là, c'était pas ce qu'il fallait bien faire. Il va sacrifier et je me rends compte que là, c'est une catastrophe parce que ben voilà, je suis obligé de mettre rang de cavalier parce que là, il y a une grosse pression au 4 tours. C'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais ça reste un bon coup. Et là, j'ai de la chance. Il va rendre tout, il va tout échanger. Et au final, je m'en sors avec un pion de moins. Il a toujours la dynamique, il va peut-être avoir un pion en plus bientôt, mais. Voilà, je peux contrer. Donc la première chose à faire en termes d'arnaque, quand vous avez l'avantage, bon ben évitez de simplifier, évitez d'échanger, parce que ça rend juste service à l'adversaire. Est-ce qu'il va continuer? On va continuer un petit peu, donc j'ai toujours la pression. Il y a l'avantage. Donc je cherche à manger des pions, grosse erreur. C'est une partie compliquée hein, vraiment. Il me reste après une fois 20 secondes dans la pendule, donc j'ai pas le temps de voir. Et là, je vais tenter un tout pour le tout. Je me dis, j'attaque le roi. Il y a mat en 2. Il faut le voir. C'est l'autre tour qu'il aurait dû ramener. Et après, je me dis, bah, je fais converger mes tours ensemble. J'attaque avec le ici. Et là, il y a un coup qu'il ne faut pas jouer. Il faut éviter de remettre. Il faut laisser le roi en contact des tours déjà. Parce que je pense qu'il voulait s'échapper par là. Sauf que ici, bah, j'arrive à avoir une convergence sur la sienne. Et je gagne la partie comme ça. Donc en termes d'arnaque, voilà, ou comment éviter de se faire arnaquer. D'une part, ne pas échanger quand on a un avantage, quand on a la pression sur l'adversaire. Et d'autre part, bah, être capable bah, de regarder un petit peu, surtout quand on a le temps, surtout quand le roi est au centre, voir s'il n'y a pas des réseaux de mat possibles. Enfin, bah, faire attention aux convergences de pièces adverses, encore une fois, parce que là, c'est mes deux tours, elles ont vraiment très bien joué ensemble pour s'allier, se mettre sur les. Fixer les mêmes lignes et colonnes et comment dire, croiser une sur une. Une seule ligne, croiser la bonne case et gagner une pièce. Autre arnaque, nouvelle partie de Blitz. Et donc là, on est à nouveau sur une Scandinave. Je la passe tranquillement, pour l'instant tout avance bien. Et c'est cette partie il me reste à faire. Je regarde un peu au niveau du temps. Et là, bon ben, tout se passe bien. Le Brésilien joue le grand roque, il met ses pièces pour l'instant, c'est très serré. Et la première erreur donc, qui fait que je n'avais pas vu, il y avait beaucoup à jouer, fou des 6, pour venir mettre une pression là avec le clouage de la dame. Ça, la qualité ici.
l'ai pas vu tout de suite, donc d'abord je menace, puis je vais le voir après coup, de reprendre parce que la pièce est clouée. Donc je continue à mettre des pressions, j'étais pas obligé de reprendre non plus là, mais bon, il est temps de reprendre. Et tout va bien. Et là, un truc aussi, c'est bien qu'on a l'avantage de chercher à simplifier, mais il faut pas oublier que les échanges sont pas obligatoires. Et là, j'oublie que ce pion-là, il est libre, et Brest va bien réussir à m'arnaquer alors que je suis à moins 7, en venant mettre sa dame jouer dans des endroits dangereux. Je vais perdre le pion là, le fou va arriver. Il a ces deux pions là qui vont faire très mal, c'est une catastrophe. Je vais continuer à mal jouer et Brest a très bien joué. Je cherche du contre-jeu, à menacer. Mais là, il y a deux pions passés. Et là, la catastrophe, c'est que un échec intermédiaire. Et là, je suis obligé d'échanger. Je suis quasiment obligé d'échanger en plus parce qu'il y a une menace de mat. Donc voilà, et là, c'est une catastrophe. Donc j'essaie de gagner les pions pour empêcher d'aller à la dame. C'est pas possible. Et avec un peu de chance. Voilà, le petit enfermement. Et là, le pat. Pas de chance. Donc là, j'ai réussi à accrocher un nul. Ça tourne que j'ai fini. Le premier tournoi, je finis troisième, je crois. Et ça avait commencé de façon catastrophique. Donc là, ça vient d'une bonne intention, hein, d'attaquer ici. Et après, bon, bah, fou pour. C'est une bonne intention. Il n'y a plus de case. Et donc là, il restait malheureusement que 24 secondes à Brest. Il aurait dû prendre le temps, mais il n'a pas fait attention. Il s'est dit que ça passerait. Bon, il a 0 case. C'est pat. C'est nul. J'ai gagné. On peut faire match nul pour arnaquer. Donc non, je ne suis pas sûr que. Non, c'est le prépare-toi Pavlo, j'ai pas fait troisième, c'est pas grave. Donc ça m'avait fait du bien parce que j'avais quand même pas très bien commencé le tournoi. Une autre partie. Donc on revient sur un autre thème. Donc encore une fois des clous à Utaka, c'était à nouveau en poule 9. C'était la dernière partie que j'ai joué en poule 9. Et Utaka là aussi il va me mettre la pression parce que si je ne gagne pas, bon bah je peux encore tout perdre. Système de Londres, on avance. Fameux système de Londres de Utaka. Déjà où je vais faire mettre des pressions là je vais gagner des pions je vais être bien et je vais pas être vigilant ça c'est un mauvais coup déjà parce que bon bah j'ouvre sur mon roi n'a pas d'abri j'ai le temps il faut que je sorte faut que je développe mes pièces donc voilà lui il va très bien jouer il va développer ses pièces il va mettre des pressions petite pression ici ça mange pas de pain là j'avance là et lui il va jouer quelque chose de très très intéressant ce qui va là même si le coup et la mécanique c'est pas bon bah là concrètement ce pion là il ne joue plus, il est cloué. Et ça, je vais pas être capable de le voir. Je vais jouer une simple menace. Et bam. Et là, je suis en situation catastrophique. Parce qu'il va regagner la pièce. Il a une pièce d'avance. Il a. Voilà, il a tout. Il a mon roi, il est en l'air. Son roi est protégé. Toutes ses pièces jouent. Bon, pièce là ne joue pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une dame ici. J'ai une dame ici. Eh bien, on va voir le. Vous allez chercher à deviner le thème qu'on va aborder maintenant en termes d'arnaque. Le thème le plus facile, le plus basique. Je recule, je mets une pression sur son fou. Il avance, je mets une pression sur son fou à nouveau. Je suis obligé de reculer. Et là, mine de rien, bon, bah, j'ai enfermé son fou. Et j'ai gagné un petit peu quelque chose. Mais là, en fait, ce que je vise, c'est la case là. J'ai une convergence ici. Et lui, eh ben, il y a toujours la possibilité de mat du couloir. Et il fallait pas que son cavalier bouge. Là. Depuis quelques coups, je me dis, voilà, je reste là. Depuis que madame, que j'ai vraiment, vous pouvez voir là, lui, il devrait échanger limite là. Pourrait échanger, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ce cas-là. Par contre, faut pas se priver. Je pense que c'est plus simple. Même la bécane le recommande aussi. Donc, et je sais pas pourquoi il. Ah oui, il avait peut-être peur. Bon, c'est sur échec. Il aurait fallu remettre la tour ici ensuite et puis voir la mettre ici hein, et défendre. À voir. Mais donc du coup là, il va me laisser du jeu avec ma tour. Je maintiens à tout prix Madame sur la diagonale pour mettre la pression là. Mon seul objectif, c'est basique, mais c'est ça. Son cavalier est cloué. Son cavalier ne joue pas. Je vais récupérer déjà un fou. Donc là, on est à égalité matérielle. Il y a un gros avantage de position, mais son cavalier est coincé. Et il va vouloir le faire jouer. Échec et mat. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu faire donner madame. Honor à hang my queen. Ça m'aurait fait un point au Rosen score. En tout cas, c'est une victoire pour moi. Donc ça prouve qu'aux échecs, tout peut encore une fois basculer sur un coup. Donc il ne faut pas lâcher. Bravo à Utaka pour sa partie et son clouage. C'est une belle. Pas une arnaque, mais un beau trick, on va dire. Il m'a mis une pression que je n'ai pas vue. Puis moi, ben, maintenir ma dame sur cette diagonale aura été vital pour permettre de gagner cette partie finalement. Donc on va revoir au niveau des mats du couloir. Autre partie, je vais me mettre dans l'autre sens. Donc, de l'importance de continuer également, de continuer. Donc,
On va voir les enfermements parfois, les modes de couleur, il faut les provoquer. Donc cette partie, elle est assez sympathique aussi. J'ai bien aimé en tout cas. A été joué récemment. Donc bon. On cherche à se développer. Il ouvre la colonne là, ça me va pas trop mal. Un petit échec parce que j'ai le pion. On échange. On agresse un petit peu. Pour l'instant, tout est normal. Je mets la tour sur la bonne case. Je développe le cavalier. Le roi, il va rester au centre, a priori. Quoique non. Je me dis, je vais roquer. J'ai plus de jeu là. C'est bizarre d'ailleurs. Ça ne ressemble pas trop. Et le résultat, c'est que l'heure actuelle, ma position est quand même bonne. Il n'y a rien à dire. Là, le roc, c'est du recommandé. Il va se tremper là avec son petit courage. Mon roi est bien. Moi, je le remets au centre finalement. Comme quoi. Donc, on avance à la partie tranquillement. Toujours un petit avantage. Et là, je joue sur. J'attaque la dame. On continue de venir avec les cavaliers. Il met une pression, une bonne pression, hein, même si j'ai l'avantage, bon, ça reste une pression. Là, je me rends compte, je me disais aussi. C'est l'inverse, je me disais bien que c'était pas mon style. J'ai les blancs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là, je vais chercher à jouer avec la dame, je me disais bien. Chercher à arnaquer. C'est un beau fail. Donc voilà, mettre des arnaques. Et là, je me dis que. Les cavaliers menacent, donc je sais pas, je prends et en jouant ça sur échec, je me rends compte qu'il y a assez vite comme qu'il y a problème. Et puis en fait, oh, I hang my queen. Donc là, pas le choix de donner la dame. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a concrètement dame contre tour. Mais que jouer, bon, bah, va falloir chercher à être actif. Déjà là, bon, on attaque le pion et cloué, donc il a ses pions, il ressemble à rien. On va chercher à mettre les tours, à jouer sur le son roi qui est en l'air. On protège un peu, donc lui il échange, c'est un très bon réflexe, mais j'ai toujours cette pression là. Donc là, bon bah, on met la seconde fois le cavalier, le pion là est cloué. Donc on décloue le pion, il prend ici, on attaque avec la dame qui est protégée par le cavalier. On attaque avec la tour, la dame. Et on va commencer à mettre des pressions. Donc là, j'aurais bien voulu, c'est mettre la fourchette. Donc je suis obligé de bouger le roi, lui, bien évidemment, il bouge. Mais je vais pouvoir venir. Et je vais pouvoir venir ici. Là, il a le réflexe d'essayer d'attaquer mon cavalier, mais là je viens ici, je menace la tour. J'ai du contre-jeu. Je suis en train de lui mettre la pression un petit peu. Je suis en train de garder l'initiative en fait. À chaque fois, il me laisse toujours garder l'initiative. Là, hop, un coup d'initiative. Son roi essaie de se sauver en se croyant en sécurité, mais là, mon cavalier il est bien placé. Il attaque la tour, il contrôle ici. Le roi, il va. Bon, le roi, il va bien évidemment venir. Il va essayer de se rapprocher. Et là, il doit jouer entre-temps. Je prends avec la tour le pion, je me rapproche. Là, le meilleur coup A6, bon, je sais pas trop, B6, c'est un très bon coup. Bon, ben voilà, mon roi se bouge, cherche à éviter les échecs autant que possible. Là, le seul échec qu'il a, c'est ici. Bon, il va pas le faire, il va venir là, et ça, c'est une catastrophe parce que. Ben, il est matarab. Pas loin, ouais, c'est presque matarab en fait, non, parce que là, si je vais avec la tour, il peut venir là, donc là, je vais avec le cavalier. Et en fait, le truc, c'est que là, il est coincé. Il peut venir que là ou là. Et il abandonne parce qu'il est obligé de venir là. Et je viens avec la tour ici. Cavalier contrôle là, contrôle là. Il peut venir avec le roi. Il peut venir avec le roi. Ici aussi, il y a un peu de problème. Hein, mais c'est pareil parce que le cavalier contrôle là et là. Et la tour, elle contrôle ça. Donc, c'est un exemple d'enfermement du roi aidé. Et pour enfermer les rois, ben, les tours qui contrôlent les colonnes. Ou les cavaliers qui vont contrôler les cases, ou les fous aussi. Mais c'est particulièrement bien collaboratif. En fait, là, son erreur, c'est que bah, il me laisse contre-jouer. En fait, là, je viens, il laisse sa dame, bon, il met la dame sur la diagonale, mais il la met du mauvais côté par rapport au cavalier. Donc, un coup gagné. Il devrait peut-être venir ici, là, je pense, pour empêcher mon. Ah, c'est ce que la bécane recommande, D6. D6. Ouais, quand même. Franchement. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe si on vient là. Enfin, moi ça me paraît mieux parce que ça, bon, c'est défensif, mais ça contrôle quand même là. Après, bon, c'est vrai que c'est j'ai quand même l'initiative, mais là, voilà, j'ai quand même le cavalier sur une superbe case. Derrière, bon, bah, il aurait peut-être fallu qu'il vienne ici, je ne sais pas, mais parce que là, moi, je voilà, F6, la bécane recommande, ce qui permet de chasser le cavalier. Là, je viens ici, donc c'est une erreur. On lui met la pression, c'est de la, il n'y a que 15 secondes par coup, donc voilà. Il faut continuer avec une dame de moins, et voilà. Comment je vais m'en sortir et comment je vais gagner la partie. Donc celle-là était vraiment plaisante parce que ben, quand on se rate, qu'on se bat, qu'on cherche quand même à trouver une solution et qu'on s'en sort,
Et vraiment, ce côté jouissif de se dire, bon, bah, on y est arrivé, on a trouvé une solution. Et le fait, ça peut ça être Coclès, en fait. C'est toujours chercher une solution, toujours, toujours trouver, se dire, il y a toujours un moyen, toujours un moyen d'y arriver, un moyen pas bête, mais un moyen d'y arriver. Et il y a toujours un chemin vers la victoire. Enfin, pas toujours, mais souvent. Et donc, c'est des parties qui sont, pour moi, presque tout aussi jouissives qu'une partie qui a été bien menée de A à Z, en vrai, pour reprendre le thème de Inamoto. Dans le même thème, donc désolé à mon coéquipier de club, Lombus, la partie que j'ai jouée contre lui récemment. Donc celle-là, elle fait écho à la partie que je vous ai montrée contre Inamoto où il a tout échangé. Elle fait écho à la partie qu'on vient de voir. Il y a les deux thèmes là, le thème des échanges et le thème de l'enfermement droit. Elle est assez récente. Donc on va passer. Là, il va très bien jouer l'ouverture. Moi, je vais m'embrouiller un petit peu. Il va très bien la jouer, il va mettre une pression énorme. Sans que je fasse trop d'erreurs, je fais. À ce moment-là, j'ai quoi? J'ai. Ça, c'est pas vraiment une imprécision. Ça, c'est une imprécision. J'ai une imprécision et la pression est horrible à jouer. Donc, il va très bien jouer les coups. Là, je défends. J'ai un bon coup de défense avec le cavalier qui vient défendre ici. Mais c'est toujours compliqué à jouer. Et là, je vais me tromper. Je vais me tromper. Il va mettre une grosse pression. Et ça devient très compliqué. Là, il y a la. Cette menace là, donc moi j'ai qu'une seule case, j'avais vu. On va chercher à se sauver. Il y a une énorme pression. Déjà pour éviter de se faire arnaquer, parce que là, il y a égalité matérielle, mais le jeu il est pour lui. C'est lui qui a toute l'initiative, qui a la pression. Son roi il est à l'aise, ses pièces sont développées, les miennes elles se marchent dessus, enfin elles sont pas coordonnées si bien que ça. J'ai des possibilités, mais je défends. Donc là, contre-jeu, j'attaque la dame déjà pour chercher à arnaquer. Et là, ce qui est un peu dommage, ce qu'il fait, c'est que ben, il va. Il va rendre le matériel, donc moi il va me soulager, là je suis content, hop, il y a moins de pression, bon il vient toujours ici, mais hop, je mets la dame, que fais-tu? Ah bah t'échanges, et bah je suis content. Même s'il y a la pression ici, voilà, je protège le pion, et là, j'ai même l'avantage, surtout j'ai survécu. Donc déjà pour arnaquer aussi, même si c'est pas une arnaque énorme jusqu'à présent, il faut chercher à survivre. Toujours est-il que bon bah là je suis moins bien. Là, je suis mieux, pardon, il est moins bien, mais j'étais vraiment pas bien. Et là j'ai fait une connerie, c'est oublier le. Oubliez que la case est contrôlée et on a une voie égalité. Et je vais chercher. Bon, je suis pas fier de la partie parce qu'il a mieux joué que moi. Je vais chercher un peu à arnaquer. Je ramène mes pièces. Je mets le cavalier. Je rapproche le cavalier également des cases intéressantes. Ça se rapproche du roi. Donc là, hop, je prends tour, cavalier. On est proche. Là, je menace ici. Forcément, il défend. Je joue avec le cavalier là, ce qui est une grosse erreur. Je sais plus. Quoi, il disait, ouais, il pouvait jouer tour G3, et effectivement, sur tour G3, ben, qu'est-ce que je fais en fait? Il y a le pion là qui devient dangereux. Ce pion là, voilà, donc il va pas le voir. Ce pion là il est très dangereux. Le problème, c'est que vous allez voir, ce pion là, ça va être toute l'histoire de la partie. Moi, j'ai bêtement joué, j'ai un pion passé là. Je vais jouer un coup ici, puis je vais encore jouer un coup, alors que je sais très bien, mais il me reste plus beaucoup de temps, encore une fois, que s'il met la tour, je le perds. Donc là, c'est un pion perdu. Je me dis, oh, bon, allez, je me rattrape sur l'autre. J'aurais dû faire dès le début en fait. Là, le meilleur coup c'était déjà de prendre ici. Et là, je suis pas bien parce que ben, il y a le pion là. Le seul problème c'est que ce cavalier contrôle là et là. Et il y a un pion là. Et du coup, on a un beau mat du couloir aidé. Donc, on a un couloir qui a été créé par l'action du cavalier qui est très bien placé et le roi est enfermé. Et donc, c'est du sale aussi. C'est pas mal joué, mais j'ai beaucoup de chance. Comme je le dis encore une fois. J'ai bien crié que j'avais eu de la chance lorsque je gagne la partie parce que j'en reviens pas de m'en sortir quand je prends le pion ici. Je me rends pas compte tout de suite. Je sais que mon cavalier il est bien. Je suis content de ce qu'il est là. Donc même sans se rendre compte, en fait, parfois on a de la chance, ça ne rend pas compte, mais mettre les pièces sur les bonnes cases, avoir ce cavalier là, je sais, c'est pas bien. Je sais que le cavalier là, bon bah il attaque la tour et puis le roi là il est embêté quoi. Je le sais. C'est après coup que je vois qu'en fait là, il y a carrément un couloir. Et donc, ce qui me permet de finir à nouveau avec 4 victoires lors du dernier Grand Suisse et d'avoir une saison pas trop mauvaise. En tout cas, meilleure que celle que je joue à l'heure actuelle avec le tel masqué, il faut bien l'avouer. Enfin bon, il y a bon niveau, hein. Je sais pas qui c'est qui joue, mais il y a du bon niveau dans le tel. Voilà, j'essaierai de me rattraper sur le fait de deviner les autres, et là je pense que j'avance bien. Mais bon, revenons sur une autre partie, on est sur les 3 dernières. D'autres thèmes, j'ai fait un peu trop long, plus long que prévu, donc ça, tant pis pour moi. Et tant pis pour vous aussi, hein. Mais bon, j'avais pas mal de parties à montrer. Une partie que j'ai joué contre Chris, que Raspo a montré aussi.
Donc c'est intéressant, c'est que Raspou, il me disait, moi je m'en fous du résultat, je vais vous montrer tes erreurs, et c'est super intéressant. Et pourtant, je suis dans la dynamique inverse où je m'en fous des erreurs, mais je vais montrer comment, malgré les erreurs, on peut avoir du résultat. Et là, je me suis inspiré d'une partie, clairement d'une partie qu'a joué Utaka. Avant, je l'ai pas recherché d'ailleurs, je l'ai pas retrouvé. Donc la partie, c'est une partie de, je sais plus, non, c'est une partie de Ligue, je crois. J'essaie d'attaquer la Kamokan avec quelque chose, mais Chris, il va réussir à m'emmener là où il veut, mais pas là où je veux. Donc en avance, là, je suis un peu en difficulté. Il me met la pression à la dame. Il y a un échange de dames. Bon, il va mettre la pression et je vais jouer positionnel en me disant, je vais essayer de jouer un peu différemment, d'essayer de placer mes pièces et tout, de ne pas faire d'erreur, de pas faire d'erreur. Voilà, sauf que je vais faire un peu n'importe quoi avec mes pions. Et là, ça va se casser la figure, il va pas le voir tout de suite. Il y aura encore une histoire de clouage. Et hop, un pion perdu, deux pions perdus. Donc là, final avec deux pions de moins, il échange, j'ai la pression. Bientôt trois pions de moins. C'est pas trop, hein. Donc il repoue. Trois pions de moins. Trois pions de moins. Et il reste tour et cavalier. Donc là, autant dire que la finale, elle est perdante de chez perdante. Quatre pions de moins. Et pourtant, moi, entre-temps, j'ai décidé d'activer la dernière pièce que je devais activer, c'est-à-dire mon roi. Et mon roi, il va essayer de rencontrer le roi noir. Donc j'avance avec les pions, voilà, mon roi il avance. Le Chris voit la menace, il se met en opposition un petit peu. J'essaie de venir ici, hein, si je viens avec l'échec là, bon bah, échec, on peut la faire, je crois, mais là, il ne peut pas venir nulle part, ni ici, ni là. Donc et là, faut bien qu'il vienne ici, parce que sinon, c'est mat déjà. Ça déjà c'est mat. Donc il y a déjà une petite menacette. J'ai décidé de la jouer à fond, hein, il n'y a pas le choix. Donc lui il va ramener ses pièces. Je mets un échec pour continuer à menacer. Là, la menace elle est claire, il ne peut pas reprendre parce que eh ben on a une histoire de mat du couloir d'enfermement de roi. Là c'est mon roi aussi qui est venu pour enfermer, mais mes pions sont venus pour enfermer le roi. Tout à l'heure c'était le cavalier. Là c'est les pions. C'est vraiment, je crois qu'il y a une partie que deux vikings. Dans ce thème-là contre le Brésilien, je suis pas sûr que c'était eux deux. À voir, il y a une partie qu'Utaka va gagner comme ça, avec le roi qui est parti à l'abordage. Le roi, je suis obligé de le reculer et il va me harceler. Moi, je continue avec le cavalier, donc là, je vois bien qu'il va pas vouloir prendre, donc je fais jouer mon cavalier, mais il continue à me harceler. Je fais du chantage à la répétition parce que bah, la nulle, moi, ça me va très bien. Je regagne un pion, là, j'ai plus que deux pions de retard, donc bon, bah, retard, on en gagne encore un pion de retard, si on échange tout. Si mon roi est mieux placé, roi plus pion contre roi, c'est si mon roi est mieux placé, c'est nul. Donc, un espoir. Il me reste encore 12 secondes, comme d'habitude. Et il va me laisser tranquille, il a raison. Là, il va se tromper un petit peu là-dessus. Bon, mais c'est pas mal. Et là, il va revenir avec le cavalier, ce qui va me permettre de remenacer mat. Là, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a toujours le mat du couloir qui est menacé. Il peut pas trop bouger son cavalier. Là, il faut qu'il fasse quelque chose. Que faire? Que faire? En échec, mon roi. C'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais avoue, il fallait jouer. Il fallait jouer H5. Il fallait juste venir bouger ce pion pour donner une case de fuite au roi, quitte à donner encore un pion, enfin bon, H5, le pion il peut aller à la dame. Ou alors si je prends ici, bon bah il revient là, et puis bon bah il a résolu ses problèmes. L'idée de l'échec est pas mal, il faut la voir, mais voilà, moi je reviens dans le mauvais sens, il fallait. Ici, pardon. Il fallait revenir il fallait que je revienne en E5 pour éviter de me faire prendre des échecs. Donc là je vais me refaire harceler, mais j'ai plus beaucoup de temps. Je suis coupé, il me laisse revenir par ici. Il sort le pion H5 pour se libérer, donc là bah du coup il y a de nouveau la case là. Mais là du coup c'est mon roi qui va devoir avancer. Et là il reprend le dernier pion. Je mets la pression encore, il va falloir que son roi avance. Je continue à. Je menace, en fait je viens ici pour menacer là, il va réagir avec le cavalier. C'était pas forcément le meilleur coup parce que je pourrais venir ici, là, le cavalier contrôle là, il défend ça, il défend. Pardon. Ouais, bref. Il défend le pion là. Il défend le pion là, il contrôle le pion, la case là, il est bien. Donc je cherche à chasser le cavalier. Et la grosse erreur, c'est que là, j'ai une menace. C'est que ce pion là, maintenant, il est cloué. Donc si je viens ici en échec, je vais venir là ou là. Et je viens avec la tour. Donc, seul coup possible, le roi vient là pour essayer de s'en sortir, pour pas prendre l'échec. Je repousse, je vais venir là. Je peux toujours pas avancer parce que là, si j'avance, hein, bien évidemment, il reprend et il va me faire voir. Donc, je vais y aller là. Et c'est une triple répétition. Donc, voilà, les arnaques, c'est pas toujours gagné. Parfois, c'est juste réussir à annuler une partie perdante. Et celle-là, j'ai réussi à l'annuler en
fermant le roi, en venant menaçant, en attaquant le roi, vraiment en jouant mon jeu à fond, et en cherchant à l'enfermer, voilà. Moi j'avais mon roi, il est libre, lui son roi il a pas beaucoup de cases, et mon but c'est d'essayer de le mater. Et là il y a du champ, il n'a pas le choix. S'il fait un autre coup, il est mat. Donc un bon petit nul grâce à ce petit coup de roi qui est venu attaquer jusqu'en H5, qui aurait été prêt à le rocher s'il le fallait. Donc voilà, un roi actif, un roi qui se mouille. Deux dernières parties, donc on a eu les plus instructives. Je vais quand même montrer l'une des plus belles arnaques. J'ai rien fait pour, j'ai juste eu de la chance. C'est plus pour l'inverse. Désolé, Lies. Lies avait fait une très bonne partie contre moi. Il méritait largement la nulle. Je vais remontrer la partie en intégralité. Est-ce qu'on a moyen de la. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là, je laisse dérouler. Vous allez juste voir. Je ferai pause un moment, peut-être, je pense. Là j'ai quand même un avantage, mais va bien retourner la situation. Donc, parce que bon, c'est pas forcément évident, j'ai un pion de plus. Je vais me tromper. Lui agresse bien. Il met son four vis-à-vis. Petit à petit il se développe. Je trouve pas les solutions. C'est un moment où j'étais pas au meilleur de ma forme échiquienne. Il attaque, il attaque. Il a régalisé. Mon petit vis-à-vis. Et là, on va déjà arrêter un petit peu parce que ça va devenir intéressant juste pour la partie. Donc, c'est le bordel, il y a des vis-à-vis dans tous les sens, là, comme on a vu, il va y en avoir encore plus et je vais me tromper. Donc, lui, il a bien fait de continuer à se battre pour voilà, forcer, voilà, pour me forcer à lui prouver que j'avais les solutions, je ne les ai pas eues. Donc, là, déjà, une petite erreur, pas facile à voir, mais il va échanger, donc il va simplifier, ça va devenir annulant, il menace le pion, il met des échecs, c'est pas mieux. Voilà, il continue à menacer le pion, c'est pas le mieux, ça. Du coup, il va revenir en arrière, et ça, c'est une erreur. Mais bon, là, faut savoir, il faut trouver le bon coup. Donc là, je menace la fourchette, je suis bien, je gagne une pièce. Et je pense être bien, mais il me reste plus que 40 secondes. C'est lui qui va m'arnaquer un petit peu. Je cherche à échanger, lui, mais évidemment, il refuse, on échange de pion. Et mais il y a un cavalier. Finalement, il y a deux pièces. Voilà, je le laisse venir dominer mon fou. Et puis là, 2 sur 1. Il va se tromper encore. Et là, ce qu'il fallait faire, c'était. Je crois qu'il fallait mettre la tour ici. Voilà. C'est après que je vais me tromper. C'est après que je vais me tromper. C'était. Que fallait-il jouer? Il fallait jouer tour 4 et mettre la pression au cavalier encore. Là, il y a juste un échange. Là, je peux encore prendre. Il suffisait de mettre un échec d'une façon ou d'une autre. Et j'ai changé. Mais d'une façon ou d'une autre ici simplement je crois ce que je vais faire et là il faut prendre le cavalier parce que la tour est défendue je fais l'inverse et on se retrouve au final les deux pions contre un mais les deux pions là ils servent à rien parce que bon bah, ils sont l'un derrière l'autre hein, donc il n'y a rien à faire donc lui je vais envoyer mon pion là pour qu'il aille le chercher j'arrive juste à temps pour mon pion mais ça c'est nul parce que ce qu'on disait avant roi plus pion contre roi bah, le roi il reste en opposition et ça passe et là ma famille énorme erreur donc pour éviter de nous faire arnaquer bah, apprenez les bases de finale il va venir là et à partir de là mon roi il va pouvoir venir ici lui il va voir c'est contrôlé ici pour rappel donc lui il est obligé de venir derrière et là moi je vais avancer d'ailleurs là même moi je fais une erreur en fait là mon pion il peut avancer tout seul on a pas besoin que le roi le surveille mais je suis en fin de partie. Du coup, je suis vraiment fatigué, j'ai pas fait une bonne partie. Lui, il a bien joué, il m'a bien mis la pression. Donc voilà. D'ailleurs, la preuve, c'est que je promets en tour, que j'ai tellement perdu patte que je promets en tour. Et ça va jouer encore. Ça tombe de coups avant que je finisse par trouver. Lui, il a insisté, il n'a pas eu tort. Hein, avant que je trouve le moyen de mater, que je me souvienne comment faire. Je crois qu'à un moment, je suis allé clairement m'asseoir. Ou je suis allé marcher. Voilà, je suis 35 places. Ça remonte en temps. Je crois qu'à un moment, je vais prendre une minute pour réfléchir, je vais me lever, je vais complètement zapper, je vais comme tout, je vais me lever en fait, simplement je me lève, je bois un coup, j'évacue tout, je reviens avec sur la position avec un œil neuf, j'avais du temps, donc j'ai pris après 50 coups, faut le savoir, ben, c'est nul automatique, 50 coups sans prise, c'est nul automatique, pour rappel, donc même avec tour contre et roi contre tour, contre roi seul, ben, faut encore finir. Voilà, cette vidéo est déjà bien assez longue, comme dirait Maître Raspou. Donc, et roi contre tour, contre roi seul, ben, faut encore finir. Voilà cette vidéo. Hop, désolé. Je vais vous montrer l'arnaque dont je suis le plus fier. Là, tout simplement,
Une partie que bah, je vais vous laisser, je vais la remontrer comme ça sans commentaire. La partie en fait, il n'y a aucun intérêt spécifique sur le reste de la partie. C'est juste la finale qui est fantastique. C'est ma millième partie sur les chess. J'en avais déjà parlé sur le forum. Et c'est la plus belle arnaque possible parce que là, bah, vous allez voir. J'en suis vraiment fier, quoi. Donc la partie, il a l'avantage, il va le perdre, ça va se gagner, ça va se perdre un petit peu, je vais me planter. C'est pas notre meilleure partie. C'est joué il y a un an. Et on laisse avancer tranquillement. L'avantage là et une belle égalité matérielle, des coups positionnels discutables, mais bon. Prends la position et c'est long, hein. Grosse erreur, je sais plus trop ce que j'ai raté. Bon, je vais regarder, je mets un peu de pression. Et on tente quelque chose, il se plante, on gagne la qualité lui aussi, bon, on échange, j'ai une qualité d'avance, et je vais faire n'importe quoi, encore une fois, il me reste 7 secondes, donc je vais me planter, comme d'hab. Il va bien défendre. La fourchette, on rend la qualité, et tout ça c'est un avantage là, je sais pas trop. Ah oui, là l'erreur c'est que je dois prendre sur échec. Pour gagner un pion en plus, pour gagner un pion en plus d'abord. Je le fais pas. J'ai toujours l'avantage, mais je vais encore une fois galvauder mon avantage. Voilà, deux pions contre un. C'est lui la pion qui est mieux. Et sais pas quoi faire, je fais là. Il va regagner le pion. C'est encore une erreur. En fait, là je vais éviter la triple répétition, peut-être lui veut l'éviter. Mais là il m'oblige à écarter, hop, il gagne, il regagne le deuxième pion. Et là à partir de là c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est complètement nul. Donc voilà, bah écoute, je mets la tour, il met un échec. Bon bah c'est nul, lâche l'affaire. Il refuse. Premier refus. Il vient avec son roi. Menace. Il veut gagner ma tour. Deuxième proposition de nul. Non, toujours pas. J'ai fait des propositions de nul, je pense, pendant la partie, clairement. Donc il continue à menacer. Je lui mets un échec. Dégage un peu, tu me saoules. Là, je mets le roi devant. Voilà. Je cherche à venir attaquer ici. Je commence à avoir une petite idée. Je la harcèle un petit peu parce qu'il me saoule. En me disant, vas-y, voilà, qu'est-ce que tu fais? Je protège le roi. Hein, voilà, bon, je refais, mets ta tour. La troisième proposition de nul, moi j'attends que la nulle. Tout est nul. Et un coup qui est perdant pour moi, c'est. Ouais, c'est 4. Ah non, pour lui c'est 4, forcément. Oui. C'est logique. Bon, voilà. Et là, je commence à avoir une petite idée derrière la tête. Il descend, ok. Il descend encore. Bon, je reste là. Je cherche la répétition. Hein. Il veut pas, je me mets là. Bon, bien, échec, vas-y, prends. Il continue. Je cherche la répétition. Il va éviter. Toujours pas. Alors je me décide, voilà. Petit mouvement droit. Échec. Je mets tour de proposition, il veut pas. Je me mets là. Échec. Je viens là. Échec. Alors là, on va voir, c'est là que ça devient rigolo. Donc voilà, une fois la position là. Deuxième fois la position là. Troisième fois la position là, il voulait pas. C'est ça, on avait la position. Il veut éviter les répétitions. Échec et mat. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est un peu gamin, mais j'ai vraiment adoré cette partie où même mon adversaire, contre toute évidence, il n'a pas voulu prendre la nulle, parce qu'il voulait gagner, parce qu'il pensait qu'il avait l'initiative, alors que c'est archi nul. Il va pas être capable de voir, simplement, c'est que là, son roi, bah, il y a une menace de couloir, enfin une menace. De mat roi plus tour contre roi, toute simple. C'est la théorie pour mater avec roi et tour contre roi. On met le roi adverse au bord d'échiquier, on met le roi en face en opposition et on met sa tour
sur la ligne ou la colonne correspondante au bord. Et là, il n'est pas capable de le voir. Là, en fait, il n'a plus d'autre solution que de chercher la répétition. Il n'a pas le choix. Et je me dis, avec un peu de chance, l'adversaire, il est tellement borné et obtus qu'il va quand même forcer et il va pas voir. Et voilà, c'est ainsi que se termine donc cette vidéo. J'en ai beaucoup dit. Donc j'espère que à minima ça vous aura diverti et sinon vous aurez pu en tirer quelque chose. J'ai pas l'intention de faire des vidéos aussi poussées, aussi instructives que celles de Raspou, de Pavlo, de Colère et autres, mais à un niveau plus bas, bah, ça montre certaines techniques. Ça peut être utile notamment en blitz, mais pas que. Hein. Pour rappel, d'ailleurs même à très haut niveau en blitz, il y a des retournements, des arnaques, des situations improbables qui se passent. La partie entre Rapport et Carlson le prouve bien, pour ceux qui l'ont vu. Donc c'est une partie qui a été très compliquée, où Carlson a retourné la partie de façon un peu improbable, parce qu'en blitz, on a peu le temps. À nos niveaux à nous, même quand on a une partie, on a une pièce en moins également, on peut chercher à arnaquer. Et il faut aussi chercher à éviter de se faire arnaquer. Savoir conclure, c'est aussi savoir annihiler ou neutraliser le contre-jeu adverse, ne pas laisser l'autre créer des menaces, répondre au harcèlement que l'adversaire peut faire de la façon juste, sans commettre l'erreur, en gérant son temps. Donc là, je vous ai montré plein de façons d'arnaquer l'autre et plein de façons aussi où l'autre a donné le bâton pour se faire battre. Cette dernière partie en étant la plus belle illustration. Donc sur ce, merci à ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous aura plu. On se reverra prochainement, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de dimanche et à bientôt sur l'échiquier. Ciao!